Mais où sont passées mes fleurs? Sandra, viens voir. Il y a ton chien qui mange mon jardin. Chippo, recrache ça tout de suite. C'est plein de pesticides. De pesticides? Ça, jamais. L'usage de pesticides dans nos jardins est dangereux pour soi et pour l'environnement. C'est pourquoi les pouvoirs publics veulent réduire leur utilisation de moitié. Les 17 millions de jardiniers amateurs que nous sommes sont concernés. On distingue trois types de profils dans les jardiniers amateurs. Il y a le papy toxique, c'est un retraité qui passe beaucoup de temps, notamment dans son potager, et qui veut produire. Il y a le désimpliqué, qui ne s'occupe pas trop de son jardin. Et puis, on a une catégorie hédoniste, donc là, c'est plutôt des femmes pour qui le jardinage est devenu un hobby. Les trois utilisent des pesticides, mais ils ne savent pas toujours qu'ils utilisent des pesticides. Les pesticides sont des substances chimiques et ils sont là pour protéger les plantes. Mais leur effet toxique est loin d'être nul sur l'environnement. Du fait de leur utilisation, il peut y avoir des ruissellements, et puis ensuite ça peut partir dans les eaux usées et puis au milieu naturel avec un risque de contamination des milieux, avec des effets potentiels sur des organismes aquatiques. Il peut aller jusqu'à la mort de poissons ou d'insectes aquatiques. La dangerosité des pesticides concerne également les humains. Lorsque vous jardinez et que vous manipulez ce type de produit, il faut savoir que ce n'est pas une opération anodine pour vous ou pour votre entourage. On peut distinguer la contamination immédiate liée à une mauvaise manipulation du produit et puis un effet à plus long terme, plus diffus, lié à l'utilisation répétée ou au contact avec des molécules qui peuvent déclencher des maladies. En matière d'utilisation des pesticides, le conseil, c'est apprenons à nous en passer. Pour jardiner sans danger, n'utilisez pas de pesticides. Ils sont dangereux pour les animaux comme pour les humains. Et ils polluent l'environnement de votre jardin. Laisse, c'est bon, je l'ai dressé. Maintenant, il mange que les mauvaises herbes.